Comment protéger notre écosystème fortement impacté par l'industrialisation? Comment amorcer un plan de développement durable? Ce sont des questions auxquelles vont tenter de répondre les cadres qui participent à cette table ronde. Il engage en quelque sorte une discussion entre les différents acteurs du secteur sur la protection de l'environnement dans un cadre de développement économique. Nous savons qu'il y a un impératif de développement économique. Il est question aussi du développement du secteur énergétique. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal annonce la construction des barrages de Koukoutamba et Balassa au Fouta Dialon. Tel que le barrage de Koukoutamba, tel que les autres barrages de Bouria, Balassa et autres. Et le barrage de Koukoutamba est le plus grand ouvrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il se situe en Guinée. Et pour le développer, la conférence des chefs d'État et de gouvernement nous a instruit d'accélérer la mise en œuvre de ce barrage-là. Pour le ministre des Mines, le développement doit impérativement aller avec la protection de la biodiversité. Toutes les solutions qui seront recommandées au cours de cet atelier, au cours de cette table ronde, puissent prendre en compte autant les impératifs de développement économique que ceux de protection de l'environnement. Parce que toute solution qui ne réconcilie pas ces deux facteurs-là risque de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. Cette rencontre, qui est une première, devrait s'étendre dans d'autres pays de l'OMVS.